Ah là là, pas facile quand on fait tous les calculs soi-même. Je me suis loupé, je pense, sur quelque chose qui peut être assez problématique et qui gêne la porte de fermer à fermer correctement. Puisque sur la porte, il y a un renfoncement à cet endroit-là et c'est censé passer comme ça un peu plus. Donc là, ma paroi, une fois plaquée, j'ai l'épaisseur d'un OSB qui pose problème. On le voit bien. Si je prends l'OSB là, par exemple, j'ai fait des tasseaux affleurants. Donc c'est là que j'ai fait un mauvais calcul. J'ai fait des tasseaux affleurants, mais sauf que quand on met une paroi d'OSB, eh bien, ça nous rajoute un petit espace en dessous. Et ce petit espace, eh bien, la porte ferme. Hein. Mais je pense que ça la déséquilibre et c'est pas très bon. Du coup, je démonte tout. Ouais, j'en rigole parce que c'est beaucoup de boulot. Je démonte tout et je vais devoir ajuster toutes les longueurs là, tous ces tasseaux. Celui-là c'est fait. Celui-là il faut que j'enlève un centimètre. Celui-là du dessus aussi. Celui-là en dessous. Enfin bref, voilà, il faut que je démonte tout. Le but c'est d'essayer de retourner légèrement derrière le joint. Et voilà. Du coup, c'est un peu blasant, mais bon, il faut essayer de faire les choses bien. Donc on démonte tout.